Elles étaient fermées au public depuis 1965 en raison de fouilles archéologiques. Deux pyramides d'Égypte sont à nouveau ouvertes aux visiteurs. Elles se trouvent sur le site de Darchour, au sud du Caire, sur la rive occidentale du Nil. Elles font partie des plus anciennes pyramides du pays. Un ancien mur long de 60 mètres a pour la première fois été dévoilé au public. Darchour est un site archéologique très important avec au moins 5 pyramides. Les deux pyramides de Snéfrou, la pyramide Bent et la pyramide du Nord ou pyramide rouge, et 3 autres qui datent du Moyen Empire sous les 12 dynasties d'Amenemhat II, Senousret III et Amenemhat III. Les fouilles ont aussi permis de mettre au jour une collection de sarcophages en pierre, en argile ou en bois, contenant parfois des momies en bon état de conservation. Des masques funéraires datant du 8e au 4e siècle avant notre ère sont également exposés. Les autorités égyptiennes annoncent régulièrement des découvertes archéologiques dans l'espoir de relancer le tourisme en berne depuis la révolution de 2011. Depuis l'an dernier, le secteur repart toutefois à la hausse.